Merci. Madame Morin. Bonsoir à tous. Alors, moi, mes points, des clarifications que j'ai besoin en ce qui concerne le point 6 et le point 12, j'ai remarqué justement, c'est les mêmes zones, le 10, 77 et le 11, 10. Madame Tremblay, la greffière, nous avait dit que ceci permettrait de mieux planifier le développement dans ce secteur. Alors, je lis au point 6, au sud de la rue des Bernaches. Alors, pourquoi, en quoi concerne ce point-là d'agrandir la zone? Est-ce que c'est pour permettre à quelqu'un de construire un multilogement? Parce que semble-t-il que si les résidents de la rue des Bernaches n'autorisent pas la modification de la rue des Bernaches parce qu'ils ont un droit de passage, est-ce qu'il n'y aurait en conséquence pas de droit de construction non plus? Tant et si longtemps qu'ils n'ont pas, que le constructeur n'a pas l'autorisation de tous ces résidents-là. Est-ce que c'est vrai? C'est en quoi concerne le point 6? J'ai besoin de clarification parce que c'est très nébuleux en ce moment pour moi. François? Tu vas-tu faire ça? Donc, c'est une motion qu'on parle aussi avec le Excuse, Robert, là, ça fait deux citoyens qui me disent qu'on ne t'entend pas, qui m'envoient des messages et qui me disent qu'on ne t'entend pas. Ou je peux parler plus fort aussi. Donc, ce que vient dire cet avis de motion-là et projet de règlement qui suit un peu plus loin là, dans l'ordre du jour qu'on a discuté. Le point 12. Oui, exactement, le point 12. C'est qu'on vient agrandir la zone unifamiliale isolée à même une partie de la zone où il y a le projet de multifamilial dans le but d'empêcher et d'interdire la construction du multifamilial qui est prévu sur le bord du fleuve. Exact. C'est celui-là qu'on vient interdire. Exact. Donc, puis, celui sur la rue Notre-Dame n'est plus visé. Oui. Et celui du Bed and Breakfast non plus. OK. Là, alors là, ça va être zoné. C'est-à-dire la zone va être agrandie afin d'être zonée unifamiliale. L'objectif de cet avis-là, pour être bien clair, là, c'est tout simplement d'interdire la construction de l'immeuble multifamilial qui était prévu sur le bord du fleuve. Tout simplement, ça vise uniquement celui-là. OK. Donc, le quatrième en tant que tel, celui qui devrait être construit physiquement, c'est le troisième. Celui qui est prévu sur la rue Notre-Dame, entre ceux qui sont déjà là, sera toujours permis. Mais pourtant, quand j'ai été le lundi 20 juin, la semaine dernière, j'ai été voir au département du permis. Il n'y avait aucun permis qui avait été émis pour la construction du quatrième multicomplexe. Si aucun permis de construction est émis, je ne vois pas comment ça se fait que l'article 172, à ce moment-là, lui permettrait de construire. Décision du conseil, c'est de n'interdire que celui sur le bord du fleuve. C'est donc avec les éléments. OK. Il y avait un sixième aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait avec le sixième? Donc, on va enlever les numéros. Il y en avait un prévu en lieu et place de l'immeuble Bed and Breakfast qui est sur la rue Notre-Dame. Exact. C'est celui-là par la rue des Bernaches qu'on interdit. Celui-là a fait l'objet d'un comité de démolition. Il a été autorisé. Exact. Pour permettre la construction d'un multifamilial. Donc, c'est toujours autorisé. Et répétez-moi ça. Je m'excuse. Celui sur la rue Notre-Dame. Qui prévoit la démolition du bâtiment qui est anciennement... Lui est autorisé. Il est toujours autorisé. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait modification de la rue des Bernaches et pour que... Pas pour le Bed and Breakfast, ça ne touche pas la rue des Bernaches. Mais ça va être un multilogement de combien de logements, celui-là? De mémoire, c'est un 16 ou 18 logements qui est prévu là. Oh, et ça ne marche pas. Mais ça ne touche pas la rue des Bernaches, celui-là. Celui de la rue des Bernaches, c'est celui sur le bord du fleuve. Mais il y a un cours d'eau, celui-là. Il y a un cours d'eau, celui que vous parlez, celui qui est où le manoir, là, le Bed and Breakfast. Il y a un cours d'eau juste à côté. Il y a un petit stationnement avec un cours d'eau qui est là. Oui. En tant que tel, il respecte les marges de recul. Il respecte les marges de recul. Oui. Il n'est pas dans la zone inondable non plus. Non plus. Non, il est en avant. Alors là, vous allez permettre, finalement, il va avoir la construction du cinquième, on parle du numéro, et ensuite du quatrième. Exact. C'est pour ça qu'on avait parlé à l'avis de motion du 5 juin. J'avais demandé précisément si l'édifice, le multicomplexe numéro 5 et 6, allait être interdit dû à l'applicabilité de l'article 172, qui est interdit au sud. Alors, ça ne marche plus, là.
Est-ce que vous vous contredisez? C'est moi qui m'étais commis, fait que c'est moi qui vais répondre à cette question-là. Écoutez, Mme Morin, à ce moment-là, puis vous l'avez su par la suite, il y avait eu, on n'avait pas, quand le conseil a pris sa décision, le conseil a essayé de le prendre à la lumière de tous les éléments à sa disposition. On ne savait pas du tout qu'il y avait eu un permis de démolition qui avait été accordé pour l'ancien Bed and Breakfast, qui tombe en ruine, là, qui est entouré d'édifices à multilogements actuellement. Ça avait été fait en 2016. Monsieur Bellil, quand j'ai été au permis hier, justement, j'ai fait valider par l'agent si oui ou non il y avait bel et bien eu un certificat de démolition émis pour le 9711 rue Notre-Dame-Ouest. Il m'a répondu non, il n'y a eu aucun permis. Et après, j'ai su que ce permis-là, quelques jours plus tard, qui avait été émis depuis 2016, cette information-là a été gardée quelque part en 2 ans. J'ai même demandé à l'agent, est-ce que par hasard, il y a une mention confidentielle, parce que tu ne peux pas me le dire. Alors là, ici, on a un litige. Il y a eu un élément clé qui était caché. Vous nous avez répondu le 5 juin, comme quoi l'édifice 5 et 6 ne devrait pas être construit. Et là, vous me revenez, quand j'ai vous, là, enfin, avec la construction d'un 5 et d'un 4, sauf le 6. Mais tout ça, ça fait que les résidents autour, là, justement, ça ne règle aucunement le problème. Vous parliez tout à l'heure, M. Lévesque, comme quoi avoir un édifice de 4 étages, puis 1, puis 2, c'est bien correct. Imaginez-vous, vous achetez une maison d'un étage, unifamiliale, vous retrouvez 4 ans plus tard, parce que vous avez fait vos recherches avant de l'acheter, comme quoi, justement, c'était supposé un triplex, vous retrouvez 4 ans plus tard avec un 4 étages en face de vous, plus de vue sur le fleuve, plus de soleil avant 10 heures le matin, accroissement du bruit, diminution de la qualité de vie. Vous allez me dire que votre avis de motion est respectueuse de la volonté des citoyens qui habitent ce quartier-là, qui sont terriblement affectés, bien, écoutez, terriblement, c'est peut-être, mais qui sont affectés, c'est sûr et certain. Alors, je ne suis pas d'accord du tout avec la motion que vous venez de prendre, parce qu'en tant que telle, elle a été prise inadéquatement, ne sachant pas tous les faits. Combien de conseillers savaient ici qu'il y a eu des certificats de démolition qui ont été cachés et non émis et qui n'ont pas été mis dans le système depuis 2016? En partant, je trouve qu'il y a quelque chose de litigieux. Qu'est-ce qui mène ici la décision de construire? Parce qu'un plan d'urbanisme, c'est important. C'est ça qui fait l'harmonie d'une ville. Moi, je suis d'accord, M. Lévesque, que vous ayez une section 4 étages. Tout le monde 4 étages. Ensuite, un autre quartier, un bloc, un autre 3 étages, 2 étages. Mais pas qu'est-ce qui est arrivé à Pointe-du-Lac. Les résidents sont vraiment déçus. Alors là-dessus, je vous demande au conseil de réviser cet avis de motion-là. Il est impensable de donner le pouvoir à un constructeur ici qui est sans scrupules et qui ne respecte aucunement la vie, la qualité de vie de ces citoyens-là qui vivent à Pointe-du-Lac depuis X nombre d'années et même juste ceux qui viennent de lâcher, qui avaient fait leur devoir avant. Alors, j'espère, c'est mon point de vue, parce que l'avis de motion en tant que tel, pour moi, ne répond en aucune façon la demande des propriétaires que je représente. J'aimerais qu'il y ait une révision là-dessus et une pensée à dire qui gouverne ici. Est-ce que ce sont les entrepreneurs ou les conseillers, le conseil municipal, la ville, le maire? C'est la question que je pose. Je vous remercie. Merci. Monsieur